Salut tout le monde! Aujourd'hui, deuxième épisode de notre série avec le média Welcome to the Jungle. On critique dans cet épisode l'injonction à la productivité et à la rentabilisation de ce confinement qu'on a pu tous ressentir. Racontez-nous en commentaire ce que vous en pensez. Les proches ont peut-être réorganisé entièrement leur appart, fait un grand ménage de printemps, appris à faire du bon pain, du yoga et de la zumba. Et toi, tu culpabilises de voir passer tes journées à une vitesse folle sans comprendre vraiment ce que tu fais de ton temps. Mais c'est quoi bien utiliser son temps? Alors que d'habitude tu n'as pas de temps pour toi, là tu as l'impression que ton temps de confinement devrait être bien utilisé. Allons, ne perdons pas de temps, bavard. Allez, en avant, allons. Le confinement déjà si pénible devrait servir à quelque chose. On te demandera même ce que tu en as fait. Bref, tu as l'impression que cette période qui nous coûte déjà beaucoup devrait au moins être rentable. Te voilà pris dans une logique productiviste. Dit autrement, tu cherches à maximiser ton temps et ton énergie pour faire le plus de choses possibles qui te seront utiles à plus ou moins long terme. Tu sens la hiérarchisation sociale de ces activités. Regarder passer les nuages dans le ciel, ce n'est pas vraiment réussir son confinement parce que ça ne sert à rien. Tu devrais plutôt en profiter pour refaire ton CV, réactiver ton réseau ou apprendre une nouvelle langue. Tu es dans une situation que le philosophe André Gors analyse dans Les Métamorphoses du Travail. La rationalité économique, l'injonction à réaliser des performances, s'est étendue du secteur économique à toutes les sphères de notre existence. On cherche à maximiser sa production de soi. Nos activités sont considérées comme des moyens pour s'améliorer, développer ses capacités, comme on le ferait d'une machine ou d'un animal qu'on entraîne. C'est très important, on ne sent pas le cul quand on connaît pas. Chaque minute doit être utilisée pour servir à quelque chose. La psychologie positive invente 1000 conseils, livres et séances de coaching pour nous aider à devenir la meilleure version de nous-mêmes. Et si on n'y arrive pas, c'est qu'on ne s'est pas assez donné les moyens. Mais en fait, comme le montre la sociologue Eva Illouz dans son livre Apicratie, cette quête d'amélioration de soi est on ne peut plus floue et fait croire à tort que la réussite personnelle n'est qu'une question de volonté. Mais pourquoi appréhender toutes nos activités selon le prisme de la productivité ? Les activités qui nous plaisent n'ont-elles pas une valeur pour elles-mêmes? Cette période de crise et de pause n'était pas justement le moment d'arrêter de penser à ce que nous rapporterons nos actions, peut-être un jour, et de simplement faire ce qui nous plaît? Ah oui, c'est bien ça! Cette période révèle justement que tous les moyens qui étaient organisés pour nous développer professionnellement et nous sembler importants sur le court terme, une formation, une conférence, une réunion, nous semble en fait dérisoire par rapport à la crise que nous vivons et à l'échelle d'une vie. À ce propos, je m'aperçois que je ne connais pas l'objet de cette réunion. Comme beaucoup de nos projets professionnels sont en suspens en ce moment et que cette période est compliquée à gérer, pourquoi ne pas en profiter justement pour ne plus se mettre la pression et faire simplement ce qui nous fait envie, sans se soucier de sa productivité ou de sa valorisation sociale. Paul Lafargue, dans son Droit à la paresse, considère comme une folie et un vice cet amour du travail qui nous pousse à l'épuisement de nos forces vitales et parfois à la dégénérescence intellectuelle. Il propose de limiter le travail à un maximum de 3 heures par jour pour qu'il ne soit qu'un divertissement de la paresse et non l'inverse. Mais qu'est-ce qu'on fait alors? Rien, qu'est-ce que vous voulez faire? Éteignez, en dehors. La paresse est agréable en elle-même sans qu'elle ne soit envisagée comme un repos du travail. Et ne me dis pas que tu te reposes pour être au taquet quand on reprend. Tu te reposes parce que ça fait du bien et que tu as le droit de le faire. C'est peut-être alors le bon moment pour régénérer nos forces vitales et les diriger pour un temps vers autre chose que le boulot. Reste néanmoins une question. Que ferais-tu, toi, pour profiter pleinement de l'instant? Que choisis-tu comme moment de paresse à savourer pendant le confinement? Pas d'inquiétude, tu peux nous dire. Viens nous raconter tout ça en commentaire.